Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce module de formation en alphabétisation numérique, la découverte de l'outil informatique. Alors, je suis très heureux d'être avec vous pendant ces temps de formation. Nous allons voir de long en large la prise en main de l'outil informatique. Nous allons voir l'ordinateur, ce qu'il sait. Nous allons voir quelques composants de l'ordinateur. Nous allons voir ensemble que l'ordinateur est une machine que l'homme a construit pour l'aider justement dans ses tâches. Donc, on va commencer par la prise en main justement de l'ordinateur. Les objectifs de la formation se déclinent comme suit. Dans un premier temps, nous allons comprendre les notions de base en informatique. Ensuite, nous allons apprendre à connaître les différentes composantes d'un ordinateur. Puis, savoir comment allumer et éteindre un ordinateur pour enfin apprendre à lancer un programme informatique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les ordinateurs sont construits dans un seul but. Et c'est quoi ce but? Les ordinateurs sont des machines qui sont construites dans le seul but de nous aider, de faciliter notre vie, de faciliter notre quotidien. Voilà. Mais nous devons savoir comment utiliser cet outil. Ils sont là pour nous aider à automatiser nos tâches. C'est un peu comme une voiture qui est là, qui a été construite pour nous faciliter, qui nous permettent de nous déplacer. Et avant de conduire une voiture, il faut savoir justement conduire la voiture. Voilà, il faut savoir démarrer, il faut savoir utiliser les pédales. C'est le même principe que la voiture. Alors, ce que je dois encore ajouter, depuis des lustres, l'homme a toujours cherché à se faciliter la vie. Pour se déplacer, on se déplaçait juste avec nos pieds. Après, ça a été à l'aide des animaux, voilà, notamment le cheval. Aujourd'hui, on est arrivé aux voitures. Voilà. Donc, c'est le même principe que l'ordinateur. Donc, l'homme a toujours voulu créer une machine qui va imiter, on va dire, le comportement humain, qui va imiter l'intelligence humaine. Donc voilà, il a développé une machine qu'on appelle aujourd'hui l'ordinateur. C'est le même principe que l'homme qui a créé cette machine qu'on appelle l'avion, qui permet aujourd'hui de se déplacer également. Mais selon un principe, l'avion a été construit sur la base de l'imitation d'un vol d'oiseau. Donc c'est pareil avec cette machine qu'on appelle l'ordinateur. Alors, voyez sur le schéma, il y a deux types d'ordinateurs. Il y a deux types d'ordinateurs, deux catégories d'ordinateurs si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle les ordinateurs portables ou PC. En anglais, on appelle personal computer parce que ce sont des ordinateurs individuels, si vous voulez. Voilà. Et à ma droite, les ordinateurs de bureau ou desktop. Alors, ce que vous devez savoir, que ce soit les ordinateurs portables ou PC ou les ordinateurs de bureau, le principe de fonctionnement est le même. C'est la même chose, c'est juste la forme qui diffère. Vous devez savoir également qu'il y a d'autres types d'ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, utilise un ordinateur sans le savoir. Le simple fait d'utiliser un smartphone veut dire que vous utilisez un ordinateur parce que c'est le même principe que vous utilisez. Vous avez également d'autres types d'ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeux, voilà,
iPad, ce sont également d'autres types d'ordinateurs. On va dire, si je prends le cas des tablettes par exemple, eux sont, ils sont à la frontière entre un ordinateur de bureau et un mini ordinateur. Donc, nous devons savoir que sur un ordinateur, il y a des, c'est très important de le savoir, il y a des ports, il y a des ports, les ports de branchement. Ces ports, les ports, c'est des ports ou des trous, ces petits trous-là que vous voyez sur les ordinateurs, avec ces symboles que vous voyez sur les ordinateurs. Il y a plusieurs types de ports. Mais nous avons beaucoup plus les principaux ports que vous aurez à utiliser le plus souvent sont les ports USB. Voilà, les ports USB, c'est les ports qui reçoivent, sur lesquels on peut collecter des supports amovibles, tels que les clés USB, les cartes mémoire et tout ça. Voilà, on a essentiellement les ports USB, mais il y a d'autres types de ports. Il y a les ports HDMI qui permettent justement d'avoir de connecter des périphériques de en grande résolution. Il y a le port HDMI, le port USB. Voilà. Donc nous devons également comprendre les composants d'un ordinateur. Alors, vous devez savoir qu'un ordinateur, il y a essentiellement trois composantes ou périphériques d'un ordinateur, à savoir les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et des périphériques qui sont à la fois des périphériques d'entrée et de sortie. Je le disais tantôt que parmi toutes les machines inventées par l'homme, l'ordinateur est celle-là qui se rapproche le plus du concept même d'une machine qui fonctionne comme l'être humain. Parce que l'homme a créé l'ordinateur à son image, tout comme l'homme a créé l'avion en imitant le vol d'oiseau, il a créé l'ordinateur pour qu'il puisse penser et fonctionner comme l'être humain. Vous et moi, dans notre fonctionnement, nous avons également des organes d'entrée, nous avons des organes de traitement de l'information, nous avons des organes de sortie. Donc c'est pareil chez l'ordinateur. Chez nous, les êtres humains, nos organes d'entrée sont essentiellement nos organes sensoriels, le sens. Nos sens, c'est quoi? La vue, le toucher, le goût, etc., etc. Donc, c'est pareil avec l'ordinateur. L'ordinateur a des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie et des périphériques d'entrée qui sont à la fois des périphériques d'entrée et de sortie. Chez l'être humain, par exemple, c'est quoi les périphériques de sortie chez nous? Alors, bon, chez l'être humain, les périphériques de sortie, ou sinon les organes de sortie, je pense que ce sont les muscles. Ce sont les muscles. Par contre, au niveau de l'ordinateur, les périphériques de sortie sont des périphériques qui permettent à l'ordinateur, les périphériques de sortie plutôt, au niveau de l'ordinateur, sont donc les périphériques de sortie, en fait, ce sont des. Ils servent à faire sortir des informations du système informatique, tout simplement. Alors, si vous regardez au niveau de mon schéma, il y a plusieurs périphériques. Donc, les périphériques qui permettent de faire sortir des informations du système
de systèmes informatiques, on les appelle les périphériques de sortie. Alors, à contrario, les périphériques qui permettent à l'ordinateur d'avoir des informations, on les appelle les périphériques d'entrée. Alors, il y a également un troisième type de périphérique qu'on appelle les périphériques d'entrée et de sortie. Ils font à la fois les deux sont à la fois des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Alors, revenons-en aux périphériques d'entrée. Notre définition, les périphériques d'entrée permettent à l'ordinateur de recevoir des informations. Alors, quand je prends mon clavier, le clavier de mon ordinateur et que je tape un test. Donc, c'est une information que j'entre dans l'ordinateur. Vous voyez un peu? Donc, l'ordinateur reçoit une information. Vous voyez un peu le sens. C'est pour ça qu'on parle de périphérique d'entrée. Alors, c'est pareil avec la clé de la souris, où quand je pointe ou que je clique, c'est une information que je fais entrer dans l'ordinateur. Donc, c'est un périphérique d'entrée. Nous avons également d'autres périphériques d'entrée sur le schéma. Nous avons également un micro. Un micro qui est également un périphérique d'entrée parce que c'est une information qu'on fait entrer dans l'ordinateur. Également, la webcam qui est ici, qui est un périphérique d'entrée. Vous voyez un peu? Alors, comme périphérique de sortie, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vous rappelle la définition de périphérique de sortie. Donc, les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système, du système informatique, de l'ordinateur. Alors, quand on prend, par exemple, l'écran. Vous voyez l'écran? L'écran qui est là. Là, à ma droite, l'écran. C'est une information qui sort, en fait. C'est une image. Bon, enfin, quand on allume l'ordinateur, c'est une image qu'on a. Vous voyez, donc c'est une information qui sort de l'ordinateur. Vous voyez un peu le sens. Vous voyez un peu le sens. Quand on prend par exemple les haut-parleurs, il y a le son qu'on entend. Donc le son quitte où? Le son quitte l'ordinateur. Donc c'est un périphérique de sortie. Quand on prend l'imprimante, alors quand on demande à l'ordinateur de nous imprimer quelque chose, donc la feuille de papier qui est imprimé, donc c'est une information qui sort en fait. Vous voyez un peu? Donc c'est une information qu'on demande à l'ordinateur de traiter et l'ordinateur fait sortir cette information. Donc c'est un périphérique de sortie. Donc nous allons voir également le troisième type de périphérique, les périphériques qui sont à la fois des périphériques d'entrée et de sortie. Alors vous voyez un peu, ils font dans le jargon informatique, on dit qu'ils opèrent aussi bien en lecture qu'en écriture. Donc, ils font à la fois les deux. Donc, généralement, c'est le lecteur CD, le lecteur DVD dans ce mon ordinateur, un périphérique d'entrée et de sortie parce que à la fois, il permet, on fait entrer, il joue les deux rôles en fait. En même temps, il envoie des informations à l'ordinateur ou des données. Et de la même façon, il fait sortir des informations. Donc, un lecteur CD, un lecteur DVD, on les classe dans les périphériques d'entrée et de sortie. Alors, une clé USB ou un disque dur externe, ouais, un disque dur externe, une clé USB, voire une carte mémoire. Ces trois sont considérés de périphériques d'entrée et de sortie parce que à la fois sur ma clé USB par exemple, je peux mettre des informations sur la clé. Donc en mettant par exemple des informations sur la clé, là je suis la clé est en train de jouer le rôle de périphérique d'entrée.
De la même façon où, par exemple, je lis une information sur ma clé, là, je suis en train d'utiliser la partie périphérique de sortie de ma clé. Donc, c'est le même principe pour les disques externes, les clés USB et les cartes mémoire. Donc, voilà un peu le point au niveau des périphériques. Alors, un scanner, par exemple, c'est quoi? Un scanner, on peut classer les scanners dans la catégorie des périphériques d'entrée. Donc, voilà un peu, on peut dire ce niveau. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on allume un ordinateur. Alors, pour allumer un ordinateur, c'est très simple. C'est très simple. Ça dépend également du type d'ordinateur. Alors, si on est sur un ordinateur portable ou un PC, il suffira juste d'appuyer sur la touche Power, là où la touche d'alimentation, et l'ordinateur se démarre. Par contre, si on est sur un ordinateur de bureau ou un desktop, on appuie sur l'unité centrale. L'unité centrale, c'est le boîtier que vous voyez souvent, qu'on voit souvent sur les ordinateurs de bureau. Vous allez voir la touche d'alimentation, la touche power. Sans oublier d'allumer votre moniteur ou votre écran. Si vous allumez la touche power, vous allez allumer l'ordinateur, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir recevoir l'information. Par contre, au niveau des ordinateurs de bureau, tout est intégré. Tout est intégré, l'unité centrale, tous les composants sont intégrés, forment un bloc au niveau de l'ordinateur de bureau. Par contre, l'ordinateur portable, par contre, au niveau des ordinateurs de bureau, il y a l'unité centrale, il y en a qui disent le boîtier, qui comprend le cœur de l'ordinateur, il y a le moniteur qui permet justement de traiter, de recevoir l'information. Alors, une fois l'ordinateur allumé, une fois vous avez appuyé sur le bouton Power, il y a le système d'exploitation qui se met en marche. Et vous arrivez à un premier écran qu'on appelle le bureau. D'abord, c'est quoi le système d'exploitation? Le système d'exploitation ou operating system est le premier programme informatique que exécute l'ordinateur. Le système d'exploitation, tout simplement, c'est un ensemble de programmes que l'ordinateur exécute. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y en a plusieurs. Il y a Windows, qui est un système d'exploitation développé par Microsoft. Là, sur mon ordinateur, on a Windows. C'est Windows qui est installé. On voit ça tout de suite grâce à ce petit. Vous voyez, une petite fenêtre. Ça ressemble un peu à une fenêtre grâce à cette image. On arrive facilement à reconnaître le système d'exploitation sur lequel le système d'exploitation installé sur l'ordinateur. Donc, je rappelle qu'il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y a Windows, et là, il y a plusieurs versions de Windows. Là, je suis sur Windows 2010. Je dois rappeler qu'avant Windows 2010, qui est la version la plus récente, il y a d'autres versions de Windows. Il y a Windows 2008, Windows 2007, Windows 2007, il y a Windows Vista. Ensuite, il y a Windows XP, Windows 95. Voilà, ça évolue. Aujourd'hui, la version la plus récente, c'est Windows 2010. Alors, ça, c'est pour Microsoft. Alors, vous devez savoir qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation
sur d'autres plateformes. Par exemple, pour ceux qui ont Apple, ou les Mac, le système d'exploitation qu'utilisent les Mac, les MacBook ou les Mac, les ordinateurs Mac, c'est OS, iOS. Leur système d'exploitation, on appelle ça iOS. Il y a également d'autres systèmes d'exploitation qu'on appelle Linux. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les ordinateurs. Mais il y a d'autres systèmes d'exploitation également, hein, parce que j'ai dit que pour un ordinateur, un smartphone peut être considéré comme un ordinateur. Alors, si vous avez, généralement, on parle de portable Android. Voilà. Quand vous avez un portable Android, le système d'exploitation qui permet au portable de fonctionner est Android. Android. Alors, parlons également des smartphones. Également, hein, on a un autre système d'exploitation, iOS, pour les téléphones Apple. Je vais parler également d'un système d'exploitation, toujours au niveau des téléphones portables, Nokia. Voilà, ceux qui ont beaucoup plus utilisé Nokia par le passé. Nokia fonctionnait sur un système d'exploitation qu'on appelle Selenium. Voilà, donc sachez qu'il y a d'autres formes de système d'exploitation. Alors, une fois votre ordinateur allumé, vous venez sur ce qu'on appelle le bureau. Le bureau, c'est tout ça. Et sur le bureau, on a certaines icônes. Alors, vous voyez un peu cette icône. C'est un raccourci, c'est-à-dire un raccourci pour lancer un programme installé sur mon ordinateur. Ça aussi, c'est un raccourci. Et chaque raccourci d'un programme a sa fonctionnalité. Voilà. Donc, vous regardez également sur le bureau, on a la corbeille. La corbeille, ça nous permet, c'est généralement, vous allez trouver la corbeille sur le bureau, quel que soit le type d'ordinateur que vous allez utiliser. La corbeille nous permet de supprimer nos fichiers, tous nos fichiers qui sont sur notre ordinateur. Une fois qu'on les supprime, ils vont directement dans la corbeille. Je vous montre un exemple. On va créer un dossier. Comment est-ce qu'on crée un dossier? Alors là, je suis au bureau. Pour créer un dossier facilement, je fais un clic droit avec ma souris. Ouais. J'ai nouveau dossier. Voilà. Alors un dossier, c'est comme le nom l'indique, hein. Ça permet de recevoir, on va dire, des. Ça permet de. Dans un dossier, on peut stocker des fichiers, on peut stocker des documents. Donc là, mon dossier il est vide. Vous voyez un peu? Quand je double-clique dedans, mon dossier il est vide. Mais par contre, je peux stocker tout ce que je veux. Regardez, par exemple, ce dossier-là. Je peux glisser dedans. Là, vous voyez, quand je rentre dans mon dossier, vous voyez un peu que ce dossier contient notre dossier où c'est écrit SR. Je ferme avec la petite croix qui est là. Vous voyez, là, c'est un dossier que j'ai créé avec mes fichiers personnels. Voilà, là, je peux mettre ça encore dans un autre dossier. Là, c'est un fichier Excel que je peux mettre dans mon dossier. Alors, je déplace en cliquant, en déplaçant. Voilà, directement dans le dossier. Mais j'ai la possibilité également de déplacer en faisant un clic droit et en faisant copier-coller. Par exemple, ce fichier PDF, je le sélectionne. Voilà, vous voyez, je l'ai ouvert. Je ferme. Voilà, je fais un clic droit. Pour déplacer, je fais un couper. Sinon, si c'est juste pour copier, j'appuie, je clique sur copier. Mais là, je vais déplacer totalement. Je fais couper.
Je viens dans mon dossier. Le nom de mon dossier, c'est nouveau dossier. Voilà. Je viens là, sur le dossier, et je colle. Donc, je double-clique dedans. Je retrouve je retrouve tout ce que j'ai déplacé dans mon fichier. Alors, on va fermer. Alors, on va supprimer ce dossier. Mais avant de supprimer, on va renommer le dossier. Pour renommer un dossier, il suffira juste de faire un clic droit, de parcourir, d'aller jusqu'en bas. On clique gauche, renommer. Alors, je mets un fichier, le nom que je veux, hein, je mets fichier, et je valide avec la touche Entrée sur mon clavier. Alors, j'ai la possibilité également de supprimer ce fichier. Alors, comment est-ce que je supprime? Soit je sélectionne ce dossier, j'appuie Delete sur mon clavier, vous voyez un peu. J'enlève l'action avec CTRL Z. Soit je fais un clic droit et j'appuie sur supprimer. Alors, quand vous faites comme ça, il est supprimé de votre ordinateur, mais il n'est pas définitivement supprimé. Il va dans un dossier qu'on appelle, il va directement dans la corbeille que vous retrouvez ici. Alors, j'ai la possibilité d'aller dans la corbeille, voilà, et de restaurer mon fichier. Alors, vous voyez un peu, voici le dossier que j'ai créé. J'ai eu la possibilité de restaurer en cliquant sur restaurer les éléments. Ou bien en faisant un clic droit, restaurer, c'est au choix. Voilà, on va fermer, on repart sur mon bureau. Tada! Voici le fichier, mon dossier que j'ai créé. Je vais dans la corbeille. Si j'ai envie de supprimer directement, totalement, mes fichiers qui sont là, je vais dans vider la corbeille. Et paf, ma corbeille est vidée. Donc, je ne vais plus retrouver les éléments que j'ai supprimé sur mon ordinateur dans la corbeille. Alors, quand on vide la corbeille, retenez que les dossiers, les fichiers, vos données sont définitivement supprimées. On ferme. Donc, nous avons également je le disais, des raccourcis vers les programmes. Ça, c'est un programme informatique que j'ai installé sur l'ordinateur qui a une tâche précise. On va l'exécuter, vous allez voir. Une fois que j'ai lancé, vous voyez, ça a lancé le programme. Alors, CCleaner, c'est un programme qui me permet de bien gérer mon ordinateur, de pouvoir, voilà. Pouvoir nettoyer mon ordinateur et tout. Alors, ouais, ça c'est un navigateur également. Ça c'est un logiciel qui a son rôle. Ça c'est un antivirus, c'est un programme informatique également qui a son rôle. Donc, chaque programme informatique a sa fonctionnalité. Par exemple, ça c'est un navigateur. Quand, pour aller sur Internet, j'ai le choix d'utiliser ce navigateur. Je peux utiliser également celui-là et j'ai d'autres navigateurs qui ne sont pas installés sur le bureau en raccourci. Ça me permet en même temps de vous montrer comment est-ce que on exécute un programme. Pour exécuter un programme, on va dans le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est ce qui est là, le menu qui est là. Démarrer et on cherche le programme dans la barre. On recherche le programme on recherche le programme qu'on veut lancer ici. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Je cherche et je lance. Si je n'arrive pas à trouver le programme, il suffira juste de taper le nom du programme. Donc, on va prendre Word, par exemple. Word. Voyez un peu. Je tape Word. Et voilà le programme qui est là. Je clique gauche. Et paf. Vous voyez, ça a lancé mon programme. Ça a lancé Word. Voilà. Je viens de lancer Word. Mais c'est pas ce que je veux faire. On va faire la même chose avec un autre programme. On va démarrer. Si c'est Excel, c'est pareil. Je tape. Soit tu cherches Excel.
Soit tu cherches Excel, ah voilà Excel, voilà. Là, j'ai dû chercher. J'ai annoncé, c'est en train de charger. Voilà, ouais, c'est en train de charger, voilà. Mais c'est pas ce que je veux. Pour aller vite. Pour aller vite, je fais démarrer. Excel, voilà. Ça, c'est dans le cas où vos programmes ne sont pas installés en raccourci sur le bureau. Voilà, donc on va dans démarrer. Et on tape le programme dans la barre ici. Donc, c'est écrit taper ici pour chercher le programme qu'on veut lancer. J'ai la possibilité également de désinstaller un programme. Donc, pour le faire, je viens là, paramètres. Alors, paramètres, je vais dans application. Application et fonctionnalité, voilà. Donc là, ce sont tous les programmes informatiques qui sont installés sur mon ordinateur. Il y en a qui sont installés par défaut et d'autres, je les ai installés moi-même. Dans tous les cas, j'ai la possibilité de supprimer. Bon, on va prendre un exemple. Si j'ai envie de supprimer, quel programme je vais supprimer ici? Quel. On va prendre. Bon, j'utilise tous ces programmes. Juste pour vous montrer le test auquel je vais supprimer. Celui-là, par exemple. Je les sélectionne. J'appuie sur désinstaller. Désinstaller. Je valide avec OK. Ça me demande si je suis. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Là, c'est en train de désinstaller. Ok, donc ça finit la désinstallation du programme. Si vous remarquez bien, ce programme-là était sur le bureau. Donc, on ferme. Si on va regarder bien, je suis reparti sur le bureau. Le programme n'y figure plus. Voilà comment on peut facilement désinstaller un programme informatique. Alors, autre chose, on a la possibilité d'utiliser certains accessoires Windows. Alors, une fois que vous avez acheté votre ordinateur, il vient avec un minimum de programmes installés. Généralement, Word, Excel ne sont pas pris en compte par votre. Ça dépend de l'endroit où vous avez acheté votre ordinateur. Mais l'ordinateur, quand il est acheté, il n'y a que le système d'exploitation qui est installé là-dessus. Voilà. Or, le système d'exploitation vient avec quelques programmes par défaut. Voilà. Accessoires Windows, ce sont les programmes par défaut. Généralement, c'est vous-même qui allez installer les autres types de programmes, tels que le pack Office. Enfin, le pack Office, c'est Word, Excel, PowerPoint et d'autres utilitaires. D'autres, si vous voulez aller sur Internet, vous êtes obligé de télécharger un navigateur, par exemple, Opera. Mini, c'est un navigateur. Google Chrome, c'est un navigateur. Vous êtes obligé de télécharger cela. Sinon, par défaut, le navigateur par défaut de Windows, c'est Internet Explorer. Voilà. Mais je voulais parler de certains programmes par défaut. Blocknotes, ça permet juste de prendre des notes. Voilà. Voilà, je prends les notes. Ça peut être pratique dans certains cas. Après, une fois, je peux toujours enregistrer. Pour une première fois, enregistrer sous. Voilà, et modifier avec un nom, tout ce que je veux. Je l'installe directement sur mon ordinateur. Il y a d'autres programmes quand même qui sont utiles. Accessoires Windows. Voilà. Ouais, Internet Explorer, c'est un programme, le navigateur par défaut de votre ordinateur. Donc, pour l'avoir, vous venez dans Accessoires Windows et vous le lancez tout simplement. Voilà, on a l'outil capture d'écran qui permet de faire des captures d'écran un peu sur notre smartphone. Bon, voici l'essentiel des programmes par défaut. Généralement, vous allez utiliser Blocknotes.
ça comme navigateur, capture d'écran, voilà, un peu moins les autres. Voilà, ça c'est un lecteur média. Pour lire une vidéo ou un son, une musique par exemple, vous allez utiliser ce navigateur, pardon, ce lecteur par défaut. Vous avez la possibilité d'installer également d'autres lecteurs. Moi, j'ai installé un autre lecteur, Gunplayer. J'ai également VLC qui est installé sur mon ordinateur. Ça, mais j'ai dû télécharger et installer moi-même après. Donc, voici un peu l'essentiel de la prise en main de l'ordinateur. Oui, vous avez également une calculatrice. Voilà, que vous lancez. Vous avez la possibilité de faire des calculs. Voilà, si vous n'avez pas envie d'utiliser une feuille de calcul Excel, vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire les calculs. Alors voilà, vous avez la caméra. Donc voici l'essentiel. Voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir au niveau de la prise en main de l'outil informatique. Alors, une autre dernière chose. On est toujours sur le bureau. Quand je fais un clic droit, j'ai la possibilité, vous voyez l'affichage, de réorganiser les icônes. Tout ce qui est là, j'ai la possibilité de réorganiser. Donc, affichage, on va cliquer sur grande icône, vous voyez un peu, ça a réorganisé, ça a mis mes icônes, ça a augmenté de taille à mes icônes, mais c'est pas ce que je veux, ça me plaît pas trop. Donc, affichage, on va essayer icône moyenne. Ouais, c'est mieux. Mais vous avez la possibilité de personnaliser comme vous voulez. Voilà, on va laisser ça sur icône moyenne, ça me plaît bien. Vous avez la possibilité également, affichage, de cacher les éléments du bureau en décochant tout simplement ça. Vous voyez un peu, ça a disparu. Donc, affichage. Afficher les éléments du bureau et ça revient. Affichage, voilà. Alors, vous avez également la possibilité de trier ces icônes, soit par nom, soit par taille, soit par type d'élément ou soit par la date de modification. Alors, pour par taille, par exemple, vous voyez un peu, on s'est organisé par taille. Alors, on va vérifier ça. On a 34,56 kilo-octets. Là, 1,3 mégaoctets. Voilà. 2,19. Donc, ça augmente, ça a classé par taille. Certainement du plus grand au plus petit. Donc, j'ai la possibilité de, pareil, soit c'est par type d'élément. Voilà un peu, ça a organisé. Ça, c'est la corbeille. Ça, c'est les dossiers. Ça a organisé sous forme de dossier. Voilà. Ça, c'est un fichier PNG, fichier image. Là, c'est un raccourci de programme. Là, ça organise, ça a réorganisé mon bureau par type en fait. Vous voyez un peu? Par type d'élément. Donc, les dossiers, c'est un type d'élément. Les raccourcis de programme, c'est un type d'élément. On a un dossier là. Donc, ça a réorganisé, ça a classé. Après la corbeille, on a eu des dossiers. Ensuite, on a eu fichier, on a eu un type de fichier. Image, on a des raccourcis de programme. Voilà. Donc, j'ai la possibilité également de trier encore ou bien d'organiser par la date de modification. Voilà. Voilà, pour créer un nouveau dossier, j'ai déjà montré comment est-ce qu'on créait un nouveau dossier. Voilà. Donc, vous allez également modifier les paramètres d'affichage, pardon. Mais ça, on va pas aller dans le vif du sujet pour ça. Alors, c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la prise en main de l'ordinateur sur le bureau. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour explorer
vos fichiers, vous avez la possibilité d'aller toujours dans le menu démarrer, de cliquer là, voyez, voyez vos documents, images, vous cliquez sur document, ça va directement, voilà, sur l'ordinateur, au niveau de vos documents. On ferme. Ou bien, vous cliquez sur là, image. Ça vous ouvre en même temps l'explorateur de fichiers des images. Donc, là, vous avez également la possibilité de faire la même manipulation venant ici, l'explorateur de fichiers. Vous cliquez. Voilà, et ça ouvre. Donc, voilà. Donc, vous avez les accès rapides. Vous naviguez comme vous voulez. Venez sur votre ordinateur. Vous avez les documents, les images, la musique, la vidéo. Ici, au niveau de téléchargement, tout ce que vous avez téléchargé depuis Internet sera stocké ici. Vous avez toujours la possibilité d'accéder au bureau là. À partir de là. Là, vous voyez un peu mon ordinateur. Je n'ai qu'une seule partition. Voilà. Ça, c'est, j'ai une clé USB connectée. Voilà pourquoi ça me dit lecteur USB-D. Voilà. Là, c'est un périphérique amovible. Si j'enlève la clé, vous allez voir que ce lecteur va disparaître. Pour enlever, pour se déconnecter, ou enlever une clé, on vient ici. Retirer le périphérique en toute sécurité. Voilà. Là, je peux déconnecter ma clé. Voyez, là, ça a disparu. Donc, vous avez également la possibilité d'augmenter le volume de votre ordinateur. Là, c'est là où on peut se connecter au Wi-Fi. Voici, là, je suis connecté au Wi-Fi. La date se trouve là. Voici un peu l'essentiel de ce que vous devez savoir au niveau de l'ordinateur. Donc, je vous remercie d'avoir suivi de long en large cette formation et rendez-vous la prochaine fois pour d'autres modules de formation. Merci.